Yo les mecs, c'est Joe, il fait très très chaud et aujourd'hui vous m'aviez dit oui, gameplay, tout ça, on n'a pas assez de gameplay, fais du FIFA, refais. Eh les mecs, tranquillement, on s'écoute, tranquille, toujours cette interaction entre abonnés et youtubeurs. Donc c'est parti les mecs, aujourd'hui une petite draft. Le but de cette draft, essayer d'avoir le maximum de joueurs transférés, voir si ça, tout ça était bien mis à jour, et puis s'amuser avec les nouveaux joueurs dans leur nouveau poste. Voilà, je pense notamment à Pogba United, je pense notamment à Mkhitaryan United, à Ibrahimovic United, à Bafétimbi Gomis à l'OM. Donc allez, c'est parti, on perd pas de temps, on a pas le temps, on va enlever ses lunettes parce que il fait chaud, mais quand même. Donc allez, c'est parti, on part pour une petite draft, c'est 15 000 crédits, les prix n'ont pas changé entre FIFA 16 et FIFA 16, voilà, je sais pas, FIFA 17. Voilà, on va essayer de vous faire croire que draft FIFA 17, je vous ferai. Attention, préparez-vous les mecs, préparez le dislike. Allez, donc niveau composition, je pense qu'on va partir sur une composition équilibrée pour avoir un peu de joueurs un peu à tous les postes. Allez, 4-3-3, offensive. Et puis si t'as envie, hein, voilà, dans le plus grand des calmes, tu peux lâcher un petit like, voilà, 1000 likes, c'est l'objectif. Après, bon, si tu les atteins, je vais rien te donner de spécial. Mais voilà, ça fait plaisir, c'est dans la, toujours dans cette gentillesse commune, toujours cet échange de gentillesse, ce serait cool. Alors le capitaine, on a foutré, Paolo foutré. Un portugais malheureusement, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc on regarde, il n'y a pas de joueur transféré, donc moi, clairement, je vais prendre la légende. Pourquoi? Parce que j'en ai presque jamais dans mes drafts, hein, tout simplement. Allez, on va faire le banc des remplaçants en premier, c'est parti. Qui on a au gardien? Tac, 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 aucun gardien transféré. Oui, donc voilà, lui, je pense pas qu'il soit transféré, non. Donc dans le doute, on va prendre... Allez, on va prendre sur le plus gros général, donc Handanovic. Allez, défenseur central. On tombe donc sur... Non, aucun joueur transféré. Enfin si, Contrao, mais il a pas été transféré au Real pour l'instant. Donc voilà, donc on a du Jordi Alba. On va prendre, allez, la BBVA, la Liga BBVA. Jordi Alba. J'aurais peut-être pas dû prendre Jordi Alba, mais on va prendre Felipe Luis 89, nos débats, voilà, tranquillement. On enchaîne, allez. On y va, Aranguiz, Coquet qui n'a pas été transféré non plus. Donc pour l'instant, aucun joueur transféré, parce que Coquet est transféré du côté de Schalke, je crois. On a Asensio, Aranguiz, on va prendre Asensio d'ailleurs. J'ai bien envie de le voir l'année prochaine sur FIFA 17, je serai peut-être un des premiers, mais ce joueur-là, je vous le dis. Je vous le dis là maintenant, et vous me direz, dans 10 ans, vous penserez à moi. Il va être très très fort, ça va être un génie du football, voilà, je vous le dis, on passe au suivant, c'est pas grave, allez. Allez, qui on a? Beignat, Mvilla, non, aucun joueur transféré, petite tête lui, je l'ai jamais vu, je ne sais pas, mais dans le doute on va prendre Beignat, voilà, encore une fois, la BBVA avant tout, poteau. Allez, Griezmann, ouloulou, Griezmann, si, Nani Valence, ça c'est ce qu'on veut, donc on va le prendre. Je sais que vous êtes tous là, prends Griezmann, mais c'est pas le but de ce draft, hein. Si tu veux faire des drafts, tu veux des drafts normales, voir mes anciennes vidéos, draft to the top, etc. On faisait des drafts, tout ce qu'il y a de plus normal. Là on va prendre un joueur transféré, c'est le but de la vidéo poteau. Allez, on continue. Ça, il y a du Neymar. Il y a du Neymar, il y a du Dani Alves, il y a du Iniesta Totti. Donc on a déjà foutré à gauche. On a Nani en plus. Je vais pas prendre Neymar, ça servira à rien. On va prendre Iniesta parce que pour l'instant j'ai pas beaucoup de buteurs. Après j'hésite à prendre Benzema parce que vous savez que c'est toujours compliqué d'avoir un bon buteur dans une draft. Mais allez, moi je vais tenter le coup. Bref, Iniesta. Allez, on continue. Cavani, Griezmann, Schmelzer, Ochoa et Trippier. Ça va partir sur un... Bah ouais, Griezmann à droite, hein, de toute façon, le joueur de l'équipe de France qui a fait un super euro. Enfin, une super... Il est trop fort Griezmann, on arrête d'en parler. Alors là il y a du joueur transféré je crois. Tello à la Fiorentina, je crois que c'est un joueur transféré. Et Guterres au Sporting, je ne crois pas. Je crois qu'on va partir sur un Tello parce qu'il est transféré. Et puis de toute façon, ben, il n'y a que ça. Donc on va pas trop y aller à chercher à droite à gauche. Oh Benzema, attendez, je vérifie qu'il n'y a pas de joueur transféré. Torres non, enfin je ne pense pas, je le connais pas assez. Perisic non, Vertonghen non plus, et Butland non plus. Donc c'est Benzema. Et j'ai bien fait de pas prendre le Benzema normal les mecs. L'inspiration de Joe, l'inspiration! Allez, c'est parti! Un nouveau. Oh là là! Bon, voilà, on va prendre Ronaldo. Je vous ai dit, ouais, trop d'ailier gauche. Là, on est obligé, on prend Ronaldo 99. Nos débats. Niveau gardien, Navas! Oh Navas! Bah oui, frérot, viens dans l'équipe! Allez, viens, on est bien! Allez, regarde, allez! Alors, qu'est-ce qu'on a? Pépé! Attendez, je regarde, attends, Skrutel, Zuma, parce que là je suis en train de devenir fou, mais je ne vois plus les joueurs transférés. Ok, donc non, aucun joueur transféré, aucune carte de joueur transféré. Allez, défenseur central, ok. Allez mec, vous savez quoi? On va partir sur un fond de tasse, dans le plus grand des calmes, voilà.
Allez, en milieu centre, il nous faut du lourd parce qu'on n'a qu'un seul de potable. Bilia Pastore, Gomes qui a été transféré au Barça mais qui n'est pas encore disponible en draft. Pirlo et Anderson, donc on va prendre Gomes, hein, voilà. On continue. Allez, l'autre milieu offensif, Cueva, Meyer, Fortunis. Je crois que Fortunis est transféré. Alors je ne mettrai pas en main un coupé, mais je crois qu'il est. Allez, je ne sais pas. Dans le doute, de toute façon, il n'y a pas forcément mieux, donc je vais le prendre dans le doute. Vous me direz dans les commentaires si Fortunis a bien été transféré. Je compte sur toi, petit abonné. Oui, je compte sur toi. Ah. Allez, l'autre milieu centre, allez, c'est parti. Gundogan, Koke, ok, non, après, il n'y a pas de joueur transféré. Si, bah, Gundogan, mais on se rend compte au final que IA n'a pas encore, je pense, actualisé les drafts. Je pense. Allez, Koke qui rejoint l'effectif. Attaquant droit, j'en vois un lourd. J'en vois un lourd, j'en vois un très lourd. Gareth Bale. Attendez, je regarde. Kitarian, vous voyez, ils sont pas actualisés les joueurs. Parce qu'il y a leur version up. Si, il y a Candreva à l'inter. Oh les mecs, là t'as le seum. Pour là, je connais. Là, il y a les petits, on va dire, vous savez, ceux qui sont très pros dans le jeu et qui me disent, oh, genre CAF, la tête drapée BVA, tu peux que prendre Gareth Bale, c'est pas possible. Et puis après, bon, il y a les gens comme moi qui me disent, non mais c'est une draft transfert, tu vois, donc on prend Candreva, il a signé à l'inter. Et eux, ils sont là, mais non, mais genre CAF, ça a aucun sens. Donc non, sincèrement, on prend Candreva. Draft transfert, tous les puristes. Regardez-moi cette draft de baiser. Regarde-moi cette draft. Regarde-moi ça. C'est une dinguerie. Elle est trop forte. Non mais qu'est-ce que tu veux? Regarde-moi ça. Mais avec ça c'est la finale, la finale, la finale. Non, je sais pas. Bon, il y a lui quand même. Lui c'est chaud, Fontas, tu vois, Andreu Fontas, mais voilà. Donc voilà, une belle draft. Et ensuite, là, on va compter le nombre de joueurs transférés. Donc, d'après mes calculs, il n'y a que Candreva et Nani. Et peut-être le petit Fortunis. Et non, il y a Tello aussi. Tello, je crois qu'il a été prêté à la FIO. Je suis pas sûr. Donc les gars, dites-moi, là je fais pas la recherche pour vous faire participer tranquillement. Toujours cet échange, on participe parce que je sais pas, une chaîne YouTube, il n'y a pas que moi qui fais le con devant mon écran. On est une communauté. Donc voilà, c'est d'abord ça qui est important sur une chaîne YouTube, tu comprends. Donc voilà, au sein de cette communauté, maintenant vous allez me dire si Tello et Fortuny sont bien des joueurs transférés. Fortuny, j'ai un petit doute, Tello aussi. Voilà, mais en tout cas, je suis sûr que Nani et Candreva, c'est sûr. Après, bon, je vais pas te mentir, à l'actualité de Fortunis, je m'en tamponne. Mais voilà, c'est pour savoir s'il y a des Grecs, peut-être, voilà, qui sont intéressés et qui vont pouvoir me dire si j'ai 2, 3 ou 4 joueurs transférés dans cette draft. C'est tout ce que j'ai eu. Pourtant, il y avait des joueurs comme Gomes, par exemple, qui ont été transférés, qui sont actuellement au Barça, mais qui ne sont pas disponibles. On a des joueurs comme quoi, etc., etc. Bah non, pas du tout, je peux le dire des etc. Mais voilà, on a des Asensio qui jouent au Real Madrid maintenant. Voilà, plein d'exemples comme ça. En soi, on aurait pu en avoir plus s'ils étaient actualisés. Mais voilà, au moins ce qu'on peut déduire de cette vidéo, et je pense que c'est ce qui est intéressant, c'est que vous aurez remarqué que EA en a rien à foutre d'actualiser son jeu. Parce que clairement, ils auraient pu, et il n'y en avait pas beaucoup. Après, je sais qu'ils préfèrent les cartes up. Mais sincèrement, voilà, sortir quelques petites cartes transférées, je pense que ça ferait bander un petit peu la communauté. Mais visiblement, ça les intéresse pas trop. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Joe. Si ça t'a plu, tu peux lâcher un like si tu veux voir les matchs avec cette draft. Je pense que il y a fortement moyen que bientôt j'ai la fibre et que les matchs de draft, je vous les fasse en live. Voilà, je dis ça, je dis rien. C'est une info de fin de vidéo. Tu passes. Si t'as vu l'info de fin de vidéo, marque pantoufle dans les commentaires. Pantoufle. PANTOU. Démerde-toi. Orthographe, ça tout seul, frère. Allez, bye!